Très bien aimé. L'évangile, the gospel, est une puissance de Dieu. Is a power of God pour le salut de quiconque croit. For the salvation of anyone that believes. Parce que c'est dans l'évangile que la justice de Dieu se révèle. Because it is in the gospel that the righteousness of God is revealed. C'est dans l'évangile que la justice de Dieu est révélée. It is in the gospel that the righteousness of God is revealed. L'évangile nous explique la condition de l'homme. The gospel explains us the condition of man. L'évangile nous explique, the gospel explains us, que tous les hommes, that all men, sont nés dans le péché. Are born in sin. Ils sont déjà dignes de l'enfer. They are already worthy of hell. Quand on présente l'évangile à un être humain, when the gospel is presented to a human being, ça veut dire spirituellement que on est en train de lui demander de sortir de l'enfer, de sortir de l'enfer. Spiritually, it means that we are asking him, telling him to get out of hell. Ça veut dire que si cette personne ne croit pas, it means that if that person does not believe, si la mort la surprend, c'est le lac de feu. If death surprises that person, it is the lake of fire. Si on prêche l'évangile à un pécheur, if the gospel is preached to a sinner, s'il ne croit pas, if he does not believe, il va à l'enfer. He will go to hell. Si on ne lui prêche pas l'évangile, if he is not preached the gospel, il va à l'enfer. He will also go to hell. Vous voyez la condition de l'homme pécheur. You see the condition of a sinner. Si on prêche l'évangile, if he is preached the gospel, s'il croit, if he believed, il est sauvé. He is saved. Si on prêche l'évangile, if the gospel is preached, s'il ne croit pas, if he does not believe, s'il meurt, il va à l'enfer. If he dies, he will go to heaven. S'il n'a jamais entendu l'évangile, if he has never heard about the gospel, s'il meurt, il va à l'enfer. If he dies, he will go to hell. Parce qu'il est déjà maudit, il est déjà sous la malédiction du péché. If he is already cursed, he is under the curse of sin. Dès que le premier homme a péché, as soon as the first man sinned, tous les êtres humains sont devenus des pécheurs. All human beings became sinners. Et leur destination, c'est le lac de feu. And they are doomed to hell. L'évangile arrache de l'enfer. The gospel snatches from hell. Si tu n'as pas Jésus, if you do not have Jesus, quand on te prêche l'évangile, when you are preached the gospel, ne pense pas qu'on te demande de choisir. Do not think that you are being asked to choose. C'est que tu es déjà dans les flammes. You are already in the flames. Un candidat. You are a candidate. Des flammes. Of the flames. C'est qu'on te demande de t'échapper. We are asking you to escape. L'apôtre Pierre, dans son premier sermon, Apostle Peter, in his first preaching, il est dit, it is said, et par plusieurs autres paroles, and through many other words, il les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. He was exhorting them, saying, save yourself from this perverse generation. Et l'apôtre Paul dit, and Apostle Paul says, Jésus est venu nous sauver, nous délivrer du présent siècle mauvais. Jesus came to deliver us from this present evil age. Ne pense pas que tu es libre et on te propose quelque chose. Do not think that you are free and you are being proposed something. Tu es déjà maudit, tu es condamné. Si tu ne crois pas, tu vas à l'enfer. You are already cursed and condemned. If you do not believe, you go to hell. Lis pour nous Romains 2 verset 12. Read for us Romans 2 verse 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. For as many as have sinned without law will also perish without law, and as many as have sinned in the law will be judged by the law.
Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. For as many as have sinned without law will also perish without law. Ce passage veut dire que tu es pécheur. This passage means that you are a sinner. Tu n'as jamais rencontré un vrai enfant de Dieu pour te prêcher un évangile authentique. You have never met a true child of son of God to preach you the genuine gospel. Donc tu ne connais pas la loi de Dieu. So you don't know the law of God. Tu péris, tu meurs. You die. Tu péris sans la loi. You perish without law. Dieu ne dira pas que oh, il ne savait pas. God will not say that oh, he didn't know. La justice de Dieu, the righteousness of God, n'accepte pas ça. Does not accept this. La justice de Dieu, the righteousness of God, accorde la miséricorde. Grants mercy. La justice de Dieu n'absout pas le pécheur. The righteousness of God does not deliver, I mean, avoid. N'accorde pas la miséricorde à celui qui ne s'est pas repenti. Does not grant mercy to the one who did not repent. C'est quand tu te repens. It is after repenting que Dieu manifeste sa miséricorde à ton égard. That God shows mercy to you. Lis pour nous Exode 34, versets 6 et 7. Read for us Exodus 34, verse 7 and 8. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. And the Lord passed before him and proclaimed, The Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and the fourth generation. L'évangile veut qu'on sache. The gospel wants you to know, wants us to know, que Dieu est miséricordieux, l'Éternel est miséricordieux. That the Lord is merciful. Que l'Éternel est compatissant. That the Lord is gracious. Que l'Éternel est lent à la colère. That the Lord is long suffering. Qu'il est riche en bonté, riche en fidélité. And abounding in goodness and in truth. Il conserve son amour. He keeps his love jusqu'à mille générations. Up to thousands generations. Il pardonne l'iniquité. He forgives the iniquity. Il pardonne la rébellion. He forgives the transgression. Il pardonne le péché. He forgives sin. Mais, but, écoutez, l'Évangile veut qu'on sache que Dieu est bon, miséricordieux, compatissant, riche en bonté, riche en fidélité, lent à la colère. Mais the gospel wants us to know that God is compassionate and merciful and he is slow to anger, but il ne tient point le coupable pour innocent. He doesn't hold the one who is guilty as an innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants. He visits the iniquity of the fathers upon the children. Et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. And upon the children's children to the third and the fourth generation. Donc tu meurs dans le péché. So you die in sin. Si tu n'as pas écouté l'évangile, if you didn't listen to the gospel, tu vas à l'enfer. You go to hell. C'est pour cette raison que c'est un devoir pour les croyants de courir, évangéliser rapidement avant que la mort n'atteigne les gens. It is for this reason that it is a duty, the duty of the believer to rush and preach the gospel to people quickly so that
they will know not die to go to hell. Nous avons vu que l'homme a commis le péché. We saw that man has sinned, had sinned. Le péché de désobéissance. Sin of disobedience. Il a mangé le fruit défendu. He ate the forbidden fruit. Et la mort est entrée dans le monde. And death got into the world. Les, tout ce qui marche là, même ceux qui sont dans les véhicules, les trains, les avions, ils sont déjà morts, morts spirituellement. All those who are walking, those who are in the vehicles, in the trains, in the planes, they are already dead spiritually. Lis pour nous Isaïe chapitre 33 verset 14. Read for us Isaiah chapter 33 verse 14. Depuis l'Ancien Testament, since the old covenant, Dieu a commencé à révéler aux hommes l'existence d'un endroit en flamme qu'on appelle le lac de feu. God started revealing man a place that is in flame called the lake of fire. Où seront jetés tous les démons et les pécheurs, tous les démons et tous les hommes qui auront refusé l'évangile de Jésus-Christ. Where all the demons and those who would have refused the gospel of Jesus will be cast. Avec à la tête le diable lui-même. With the devil himself at the head. Jeté dans les temps de feu et de soufre. Cast into the lake of fire. Lis Esaïe 33 verset 14, Esaïe 66 verset 15. Read Isaiah 33 verse 14. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? The sinners in Zion are afraid. Fearfulness has seized the hypocrites. Who among us shall dwell with the devouring fire? Who among us shall dwell with everlasting burning? Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. For behold, the Lord will come with fire and with his chariots, like a whirlwind, to render his anger with fiery and his rebuke with flames of fire. Les rebelles sont effrayés dans Sion. He said, sinners are afraid in Zion. Un tremblement saisit les impies. An earthquake has seized them. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu? Who of us, whom among us can resist? Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Who among us can remain near a devouring fire? Quand on présente l'évangile à un pécheur, when the gospel is presented to a sinner, il discute. He argues. Il dit Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. He said God does not exist. Il n'y a pas de morale, il n'y a pas de loi. There's no law, there's no moral. Cher ami, dear friend, le Seigneur te demande. The Lord requires you. Est-ce que tu peux rester auprès de, pas même entrer dedans, rester même à côté seulement? Can you remain near a devouring fire? Not get inside, remain near it. Le Seigneur ne te menace même pas que tu seras dedans. Il te pose la question, est-ce que tu peux rester juste à côté de cette flamme-là? The Lord is not threatening you to put you inside. He is just asking you, can you stay near a devouring fire? Le feu que le Seigneur envoie, the fire that is sent by the Lord, pour punir les rebelles, to punish the rebels, est tel qu'on ne peut même pas vivre près de ce feu-là. A man cannot even stay near that fire. Le Seigneur l'appelle le lac de feu et de soufre. The Lord calls it the lake of fire and brimstone. L'orgueil des méchants sera brisé là-bas. The pride of the wicked ones will be broken there. La parole dit, the word says, il y aura des cris. There will be cries. Des cris. Cries. Et des grincements de dents. And gnashing of teeth. Il y aura des cris. There will be cries. Il y aura des cris. Cries. Et des grincements de dents. And gnashing of teeth. Il y aura des cris. There will be cries. L'orgueil. Pride. Sera banni. Will be banished. Le feu, la colère de Dieu. The fire of God brisera l'orgueil des hommes. The wrath of God will bruise. Il y aura des
pleurs et des grincements dedans. The pride of man. Oh, qui pourra rester? Who can stay? Oh, qui pourra rester? Oh, who can stay? Auprès de ce feu dévorant. Near that devouring fire. Auprès de ce feu dévorant. Near that devouring fire. N'écoutez pas l'orgueil des orgueilleux. Do not listen to the pride of. L'orgueil des orgueilleux n'est que vanité. The pride of the proud. La colère du Seigneur se révèle à l'humanité. The wrath of the Lord is revealed to man. Il te pose la question. Ask you the question. Pourras-tu rester à côté auprès de ce feu là? Will you be able to stay near that fire? La réponse est non. The answer is no. Alors, so, mets de l'ordre dans ta vie. Therefore, you shall put order in your life. Mets de l'ordre dans ta vie. Set order parce in your life. Parce que tu ne pourras pas, tu ne pourras pas. Because you will not be able, you will not be able. L'enfer existe. Hell exists. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Et l'enfer, ce n'est pas cette terre, comme te diront certains faux prophètes. And hell is not this earth, as some false prophet tells you. L'enfer, hell, c'est un lieu de souffrance. Is a place of suffering. J'aimerais vous dire qu'il y a une confusion dans tout ça. I would like to tell you that there's a confusion in all these. Il y a deux étapes. There are two conditions. Il y a ce qu'on appelle le séjour des morts. There are two steps. There is what we call Hades, qui est un lieu de première souffrance réelle, which is a place of first and real suffering, qu'on appelle la gêne ou bien qu'on appelle l'enfer. That is called Hades. Mais le lac de feu et de soufre. But the lake of fire and brimstone. Un jour, le Seigneur me disait. One day, the Lord told me. Il n'y a pas de synonyme pour le lac de feu et de soufre. Il faut toujours, quand si tu es un prédicateur. Sois clair. If you are a preacher, be clear because there is no synonym for the lake of fire. Il y a le lac de feu et de soufre. There is the lake of fire and brimstone. Ça n'a rien à voir avec le séjour des morts où les morts sont en attendant le jugement dernier. It has nothing to do with Hades where those who are dead are there waiting for the last judgment. Et les souffrances que tu vis là, ce n'est pas ça qu'on appelle l'enfer. And the sufferings that you are going through are not the ones that we call hell. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lis pour nous. Read for us. Apocalypse 20 verset 10. Revelation 20 verse 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are and they will be tormented day and night forever and ever. Oh! Oh! Et le diable qui les séduisait. And the devil who deceived them fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Was cast into the lake of fire and brimstone. Où sont? Where? La bête, the beast, et le faux prophète. And the false prophet are. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. And they will be tormented day and night forever and ever. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. They will be tormented day and night forever and ever. Le diable qui les séduisait. The devil who deceived them. Le diable qui les séduisait. The devil who deceived them. Et jeté dans le lac de feu. Is cast into the lake of fire. Et jeté dans le lac de feu. Cast into the lake of fire. Et les pécheurs. And the sinners. Et les pécheurs, and the sinners, tourmentés, tormented, tourmentés, tormented, tourmentés, tormented, au siècle des siècles, day in and day out. Oh, tourmentés, tourmentés, tormented, tourmentés, tormented, tormented. C'est un lieu de tourment. It's a place of torment. Il existe. It exists. Il est réel. It is real. Si l'orgueil t'emporte, if pride takes you away, tu passeras le temps dans ce lieu-là. You will spend your time in that place. Tu as encore toutes les chances, tous les moyens, toutes les possibilités pour sortir de ce jugement. God is bringing all the means to take you out of that judgment. Mais pour les lâches, les incrédules, the unbelievers and the cowards, les abominables, those who are abominable, les meurtriers, the murderers, les impudiques, those les enchanteurs, the idolaters, les idolâtres, the idolaters, et tous les menteurs, and all the liars, leur part sera dans le lac, dans les temps de feu et de soufre. And their portion will be in the lake of fire and brimstone. Ce qui est la seconde mort. Which is the second death. Ils vont à l'enfer. Pourquoi? Ils vont dans le lac de feu. Pourquoi? Why do they go into the lake of fire? Ils étaient lâches.
They were cowards. Ils ont découvert la vérité. They discovered the truth. Mais ils sont lâches, lâches, lâches. And they are cowards. Ils ont peur des hommes. They fear men. Ils ont peur des hommes. They fear men. Ils se disent, who tell si, tell je, si je change, if I change, les gens vont m'insulter. People will insult me. Les gens vont me menacer. People will threaten me. Mon père me menace, mon mari me menace, ma femme me menace. My father oh, lâche, me. Lâche. Oh, yeah, coward. Pour coward. Les lâches, les lâches, les menteurs. The coward, les impudiques, the liars, les idolâtres. The morons and les idolâtres. Dans les temps de feu et de soufre. Et la seconde mort. Which is the la second, seconde mort. The second death. Dans les temps de feu et de soufre. In the lake of fire. Quelle a été leur faute? Ils sont lâches. They are cowards. Ils sont impudiques. They are immoral. Impudiques. Immoral. Ils vivent dans la fornication. They live in fornication. Ils veulent se marier. They want to get married. Au lieu de se marier véritablement. Instead of getting married, ils perdent le temps dans la fornication. They waste time in fornication. Se prostituent. They get into prostitution. Il y en a qui pratiquent la bestialité, couchent avec les bêtes. Some practice bestiality. They lie with the beasts. Il y a des lesbiennes, les homosexuels. There are lesbians and homosexuals. La perversion. Perversion. Le lac de feu t'attend. Lake of fire is awaiting. C'est ça l'évangile. This is the gospel. C'est ça que l'évangile veut. This que tu le saches. The gospel, I want you to know it. Et que tu sois sauvé. And for you to be saved. Dieu n'est pas un homme. God is not a man. Dieu te parle par amour. God speaks to you through love. Ce ne sont pas des menaces. They are not threatening. Ce sont des avertissements. They are warnings. Dieu te parle. God speaks to you. Pour te révéler le futur. To reveal to you what is to Parce come. Que les gens veulent savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. People would like to know what is going to happen in the future. Et il y a des gens qui étudient le futur. And there are people who study the future. Dieu te dit. God tells you. Il y a un jugement. There is a judgment. À la fin de toutes choses. At the end of all things. Ceux qui vont s'attacher au mal. Those who will cling to evil. Ceux qui vont rester lâches. Faible. Those who will remain coward and feeble. Ils ont la conviction. They have the conviction que Jésus est le Fils de Dieu. That Jesus is the Son of God. Ils tremblent devant leurs amis. But they tremble before their friends. Ils tremblent devant des êtres humains comme eux. They shake before. Et ils ne sont pas capables d'assumer leur choix. And they are not able to assume the choice. Lâche, lâche, lâche. They are coward, 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 lâche, 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 coward, coward. Et ils se retrouvent à l'enfer. And they find themselves in hell. Lâche, 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 lâche. Coward, coward, coward. Et le lac de feu. And they are in the lake of fire. Impudique, 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 impudique. Impudique, impudique, impudique. And immoral, immoral, immoral. Et le lac de feu. In a lake of fire. Mensonge, 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 mensonge. Lie, mensonge, lie, mensonge. Lie, lie, lie. Et le lac de feu. In the lake of fire. Tout est mensonge. All is le lie. Le nom est faux. The name is fake. L'âge est faux. The age is fake. Même la nationalité est fausse. Even the nationality is fake. Tout est faux. Everything is fake. Les diplômes sont faux. Il y a des gens qui sont certificates comme ça, faux, are fake. Faut tout environner de fausseté. They are surrounded of falsehood. Et le Seigneur a dit dans sa parole. And the Lord said in His word. Ce n'est pas par la vérité. It is not by truth. Qu'ils sont devenus puissants. That they became mighty. Ils achètent tout, nomination. They ils achètent. Buy everything, even appointment. They buy. Les concours, ils achètent. And the contest, they buy. Même les amitiés, ils achètent. Even friendship, they buy. Tiens ça, je veux que tu sois mon ami. Take this. I want you to be my friend. Matthieu 5, verset 22. Matthew 5, verse 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la GN. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. Toi qui aimes insulter. You who like insulting. Toi qui aimes dire idiot, idiot, insensé. You who like to say, fool, fool, tu iras, idiot. Tu iras l'enfer. You will go to hell.
Donc tu iras dans le lac de feu. D'abord l'enfer pour t'accueillir si Jésus t'a réveillé, mais après tu iras dans le lac de feu et de soufre. You will go into the lake of fire and brimstone. Parce que tu as insulté, maudit les créatures de Dieu. Because you insulted and cursed the creature of God. Et tu as l'esprit de moquerie. And you have the spirit of mockery. Les temps de feu et de soufre t'attendent. The times of lake of fire and brimstone are waiting for. Matthieu 5 verset 29 à 30. Matthew 5, 29 and 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. If your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. Ce passage veut dire, this passage means, qu'il faut tout faire, that you must do all that you can, pour abandonner le péché, to abandon sin. Rien ne doit t'empêcher, nothing can hinder you, should hinder you, de séparer de ton péché, to depart from your sin. Dans le monde, in the world, il y a beaucoup de prédicateurs. There are many preachers. Il y a beaucoup de livres. There are many books. Il y a beaucoup de radios. There are many radios. Et beaucoup de télévisions. And many televisions. Il y a même l'internet. There is even internet. Il y a des livres. And there are books. Il y a des journaux, des magazines. There are magazines and newspapers. Chacun écrit ce qu'il pense. Et each one has written what he thinks. Mais si tu veux la vérité, but if you want truth, lis le passage que nous venons de lire. Read the passage we have just read. Pour Jésus, for Jesus, même si c'est ton œil droit, even if it is your right eye, qui veut t'empêcher d'entrer au ciel, that it wants to hinder you from getting into heaven, il faut l'arracher. You must pluck it out. Pour Jésus, for Jesus, Jésus ne voit pas quelque chose qui devrait t'empêcher. Jesus does not see anything that was to prevent you from getting to heaven. Jésus t'enseigne. Jesus teaches you. Il ne faut pas qu'il y ait dans ta vie, dans ton cœur. There must not be in your life and in your heart une seule chose. One thing, only one thing. Qui peut t'empêcher d'abandonner le péché. That can prevent you from abandoning sin. Même si c'est ton pied droit. Even if it is your right leg. Pour Jésus. For Jesus. Il faut le couper. You must cut it. Même si c'est ta main. Even if it is your hand. Il faut couper. You must cut it. Les faux docteurs vont te tromper. False doctors will deceive you. Que Dieu est très bon. That God is very good. Il ne peut pas punir l'homme. He cannot punish man. Le jeter dans le lac de feu. And cast him in the lake of fire. Il est tellement bon. He is so good. Il a dit, il est bon. He said he's good. Lui ne dit même pas qu'il est seulement bon. Il dit il est bon. He says he's good. Il est miséricordieux. He is merciful. Il est compatissant. He is compassionate. Il est riche en bonté. He abounds in goodness. Riche en fidélité. And good in faithfulness. Il pardonne le péché. He forgives sin. Il pardonne la rébellion. He forgives rebellion. Il pardonne l'iniquité. Vous voyez, il pardonne l'iniquité. He forgives iniquity. Après, il dit mais. And after he said but. Quand tu es coupable. When you are guilty. Il ne peut pas dire que tu es innocent. He cannot say that you are innocent. Et puis il punit le péché. And he punishes sin. Il te frappe. He strikes you. Il frappe tes enfants. And strikes your Il children. Frappe les enfants de tes enfants. He strikes the children of your children. Jusqu'à la troisième, la quatrième génération. Up to the third and fourth generation. Les liens malsains, les envoûtements, toutes ces choses-là. The evil ties and the bewitchments, all these things. Cette malédiction divine qui est tombée sur l'humanité. That divine curse that fell upon mankind. Qui fait qu'un enfant est né à Abidjan, mais les sorciers du village ont déjà son nom sur leur liste. Which do in such a way that
a child is born in Abidjan, but in his village, the witch already have their name in, on their list. Tu penses que tu n'as jamais mis pied chez un marabout, mais tu as déjà les démons des marabouts. You have never set foot to a fortune teller, but you already have the demons of those people. Rien ne doit t'empêcher. Nothing should hinder you. Et n'écoute pas les faux prophètes. And do not listen to the false teachers. Repent-toi. Repent. Tu verras la gloire de Dieu. You will see the glory of God. Toi, tu te repens. You repent. Tu laisses les gens discuter. And you let people arguing. Ils peuvent même se moquer de toi. They can even mock you. Et ils peuvent dire que tu pratiques la loi. They can tell you that you practice the law. Il faut accepter. Just accept this. C'est une bonne loi. It's a good law. Cette loi qui te permet de te préparer pour entrer au ciel là, c'est une bonne loi. That law that allow you to prepare yourself to get into heaven is a good law. Cette loi qui fait que un homme se réconcilie avec sa femme, c'est combien d'années après? That 35 ans. That law that bring a man to get reconciled with his wife after 35 years, c'est une bonne loi. Is a good law. Cette loi qui fait que les petits drogués abandonnent les drogues et reviennent servir leurs parents, c'est une bonne loi. That law that brings the drug addicts to abandon drug and come and serve their parents is a good law. Cette loi qui fait en sorte que les jeunes filles restent pures, chastes. That law. Oh, c'est une bonne loi. That brings the young girls to remain pure is a good law. Cette loi qui fait que les jeunes gens se marient. That law that brings young men to get married joyeusement en Christ, joyfully in Christ. Oh, c'est une bonne loi. It's a good law. Juste pour dire, just to say, n'écoutez pas les faux prophètes. Do not listen to the false teachers. Écoutons le Seigneur Jésus. Let us listen to the Lord Jesus. Il dit, même si c'est ton nez droit, he says, even if it is your right eye, il faut l'arracher. You must pluck it out. Il vaut mieux que tu entres là-bas avec un œil que d'avoir deux yeux dans les flammes. Waouh, tu es là-bas, tu graisses les dents. It is profitable for you to get there with one eye instead of going to hell and gnash your teeth. Chapitre 18. Chapter 18. Matthieu 18, verset 9. Matthew 18, verse 9. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. And if your eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. It is better for you to enter into life with one eye rather than having two eyes to be cast into hellfire. Avant qu'on ne prie, before we pray, voyons un peu l'attitude de Salomon. Viens lire le chapitre 2 d'Ecclésiaste, versets 1 et 2. Let us look in the attitude of Solomon in Ecclesiastes, verse 2, verse 1 to 3. J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'était encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Salomon montre ici l'attitude de certaines personnes. Solomon is showing the attitude of some people. Et certains peuvent être dans cette salle. Some even can be in this hall. Il y a des gens qui pensent que on doit donner à leur corps. Ils doivent donner à leur corps tout ce que leur corps désire, que c'est there ça are, le bonheur. There are some people who think that they must offer the give their body all that it requires them, and that this is the happiness. Il veut une bière, il boit, il veut une femme, il cherche les femmes. Tout. Il dit, j'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, allons. He said, I told my heart, let us go, I will test you through joy. Mais après, but after, il dit que c'est une vanité. He said that this is vanity. Il a perdu le temps. He waste time. J'ai dit au rire. And he said, I thought the bed insensé, fool. Et lis pour nous Ecclésiaste 2 verset 10 et 11. Read for us Ecclesiastes 10 verse 10 to 11. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés.
Je ne refusais à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuit du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Ecclésias chapitre 2, 13 à 18. Ecclésias 2, 13 to 18. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un ou l'autre un même sort. Et j'ai dit à mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit à mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire des sages n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie. Oh, j'ai haï la vie. I hated life. Je vais continuer. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuit du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Si tu ne te repens pas, if you don't repent, la première chose que Dieu va faire, the first thing God is going to do, il va t'exposer à la vanité qui est sur la terre. He will expose you to vanity that is on earth. Salomon dit, Solomon said, un jour, one day, il a commencé à réfléchir. He started reflecting. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? He said, what is happening to me? Je veux mourir. I want to die. Les animaux meurent, moi je meurs. The beasts die and I also die. Donc tout cet orgueil, tous ces travaux, c'était pourquoi? So all this work, all this pride, what was it for? Il était découragé. He was disheartened. Il a haï la vie. And he hated life. Donc quand Jésus te dit repens-toi. So when Jesus tells you repent. Même sur cette terre. Even on this earth. Si tu te repens. If you repent. Tu verras la gloire de Dieu. You will see the glory of God. Avant même que le ciel n'arrive. Even before heaven comes. Et ceux qui sont en Christ. Those who are in Christ. Sont heureux. Je vous dis la vérité. They are happy. I tell you the truth. Hallelujah. Il y a des moments, je me surprends en train de sourire. At times, I surprise myself smiling. Nous sommes allés à Miyagi. We went to Miyagi. Le maire dit au frère, vous savez, votre pasteur a un sourire éternel. The mayor told the brethren, you see, your pastor smiled. Un sourire éternel. An eternal smile. Quand tu es en Jésus. Quand tu es en Jésus-Christ. When you are in Jesus. Tu ne peux que sourire. You can only smile. Tu ne peux pas haïr la vie. You cannot hate life. Parce que la vie a un sens. Because life has a sense. Tu as un but. Meaning. Tu as un but. You have a goal. Quand tu te lèves le matin. When you rise up in the morning. Tu sais où tu vas. You know where you are going. Tu sais ce que tu veux. You know what you want. Tu rejettes ce que tu ne veux pas. You reject what you don't like. Et ton cœur est rempli de joie. And your heart is filled of joy. Ton cœur est rempli d'assurance. Your heart is full of assurance. En Christ. In Christ. La vie. Life. Est réelle. Is real. Il est écrit. It's written. Jésus est venu nous donner la vie. Jesus came to give us life. Et la vie en abondance. And life in abundance. Il disait. He said. Que votre cœur ne se trouble pas. Let your heart not be troubled. Croyez en moi et croyez en Dieu. Believe in me and believe in God. Un prédicateur disait. A preacher said. Si quelqu'un est en Christ. If someone is in Christ. C'est un homme neuf. He is a new man. L'existence n'est plus subie. The existence is not undergone, mais vécu intensément. But it is lived intensely. Jésus est la vie. Jesus is life. Jésus est la guérison. Jesus is healing. Jésus est la liberté. Jesus is freedom. Pour l'embrasser. To embrace him. Si ton œil est pour toi une occasion de chute. If your eye is for you a cause to sin. Tu l'arraches. You pluck it out. Tu jettes.
And you cast it away. Une jeune fille qui veut donner la vie à Jésus. A young lady who would like to give his life to Jesus. Elle doit chasser tous les petits bandits. She must cast away all the little bandits. C'est comme ça qu'on aime Jésus. That's how we love Jesus. C'est ce que veut dire arracher l'œil. That's what it means to pluck out the eye. Un homme qui est emporté par une rombière, une prostituée. Tu te dégages. A man who is taken away by a prostitute. You must get rid of her. Si tu as loué une maison pour elle. If you have rented a house for her. Je l'appelle, je pardonne-moi. You call her and say forgive me. C'était un grand péché. It was a great sin. Sors avant que le mois prochain arrive. Get out before the end of the next month comes. Je vais me réconcilier avec ma femme. I'm going to get reconciled with my wife. Et on va discuter le budget ensemble. And we are going to discuss the budget together. Ta ligne est supprimée. Your line is canceled. Get out, please. C'est le diable qui m'a trompé. Sors. It is the devil who deceived me. Get out. C'est ça que Jésus fait. That's what Jesus does. Quand il entre. When he gets in. Une femme m'a dit. A woman told me. Je ne viendrai pas dans votre église. I will not come into your church. Parce que si je viens dans votre église. Because if I come there. Je risque de dire la vérité à mon mari. I may tell the truth to my husband. Parce que là où tu me vois. Because where you see me. J'ai des maisons. I have houses. Et des terrains. And lands. Mon mari n'est pas au courant. My husband is not aware of it. Je ne parlais pas des terrains et des maisons avec elle. I was not talking about houses and the plots with her. Je lui présentais l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. I was presenting to her the gospel of Jesus of Nazareth. Mais elle avait compris. But she understood. Elle avait très bien compris. She very well understood it. Ça veut dire que pendant que je lui parlais. It means that while I was speaking to her. Le Saint-Esprit était en train de la convaincre. The Holy Spirit was convincing her that you are a liar. Tu es voleuse. You are a thief. Tu trompes ton mari. You deceive Dis-lui la your vérité. Husband. Tell him the truth. Tell him the truth. Ça, c'est le Saint-Esprit qui défendait notre évangile. This is the Holy Spirit that was defending our gospel. Et elle a exprimé sa pensée à haute voix. And she expressed her thought with a loud voice. Je ne viendrai pas dans votre église. I will not come into your church. Et elle m'a donné 1500 francs. And she gave me 1500 pour que je lui achète une Bible. For me to buy a Bible to her. J'ai acheté une Bible, je la lui ai donnée. I bought the Bible and gave it to her. Elle a constaté que ma Bible avait une couverture. She realized that my Bible had a cover. Pour protéger. To protect it. Elle m'a donné 1000 francs. She gave me 1000. Elle dit achète-moi une couverture comme pour toi là. She said buy a cover like mine. Je suis allé acheter. I went and buy it. Je lui ai donné. I gave it to her. Elle a pris cette Bible-là. She took that Bible, protégée comme la mienne. Protected like pour aller s'asseoir dans une église qu'elle a choisie. And she went to sit in a church that she chose là, by herself. Là où elle peut rester dans le péché. Where she can stay in sin. Sans se déranger. Without being bothered. Sans troubler sa conscience. Without troubling her conscience. Car ce qui se ressemble, ça semble. For those who resemble walk together. Si tu veux prier, lève-toi, tu pries. If you want to pray, rise up and pray. Père éternel, ta parole est la vérité absolue. Effectivement, c'est en Jésus que nous avons un sens réel pour la vie. Autrefois, Seigneur, j'étais las de la vie. Je n'avais aucun sens pour ma vie. Et j'étais fatigué. J'implorais ta grâce pour que la mort vienne me prendre. Parce que la vie n'avait aucun sens pour moi. Mais au lieu de laisser la mort venir à moi, tu es venu avec la vie. Quel amour, oh notre Dieu. Et depuis ce jour, la vie a un sens pour moi. J'aime la vie et je veux vivre. Et je veux vivre dans tes bras. Sois exalté, Seigneur. Sois glorifié aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous et prions ensemble. Let us rise up and pray together. Thank you.
Amen. Amen. Que le Seigneur t'accompagne. May the Lord take you back home. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen.